Dans la restauration, le but, c'est quoi? C'est de faire plaisir. Ils ont entre 16 et 18 ans, ils sont en première ou terminale. Leur passion, c'est la restauration ou l'hôtellerie. Les élèves du bac pro cuisine du lycée polyvalent Pastré-Grande-Bastide ont participé aujourd'hui à la réalisation d'un repas un peu spécial. Ils ont cuisiné et offert 100 repas pour les plus démunis. Ces repas seront ensuite distribués par l'armée du salut. On a le sentiment d'aider les gens et de servir parce que là, depuis un an, on a l'impression de ne pas servir à grand-chose vu qu'on ne peut pas faire de stage. On se pose des questions sur la restauration, tout ça, parce que s'il y a tout qui est fermé depuis un an, donc là, ça nous permet d'aider déjà en premier temps les démunis et via l'armée du salut. Et en deuxième temps, ça nous permet de travailler des quantités qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc là, en l'occurrence, on travaille pour 100 couverts. Donc c'est par rapport à d'habitude, c'est énorme, c'est quasiment le double, voire le triple. Ben dans la restauration, le but c'est quoi? C'est de faire plaisir, donc qu'on fasse plaisir dans un restaurant ou qu'on fasse plaisir à des personnes qu'on a besoin, je crois. Hein. Là, ils savent vraiment l'utilité qu'ils vont avoir et la nécessité. Donc ils sont tous ravis, je crois que vous pouvez le voir, il y a une bonne ambiance, ça se fait dans quelque chose d'assez convivial, on ne leur met pas trop la pression, on essaye de le faire vraiment... avec un plaisir multiplié par 4. Un menu végétarien, donc à base de riz pilaf, de lentilles pour remplacer la protéine parce qu'on a fait un menu sans viande, et petits légumes. Et en dessert, on fait un crumble aux pommes avec dessus donc un crumble à base de poudre d'amande, quelque chose d'assez riche. Voilà.